Bonjour le baron, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo et c'est notre première vidéo du jour. Pour nous soutenir, laissez beaucoup de j'aime et partagez cette vidéo. Mes frères et sœurs, vraiment, la vie est triste de nos jours. On ne peut plus faire confiance en quelqu'un. La femme que vous voyez le camp va nous dire pourquoi il ne faut faire confiance en personne. Ce qui s'est passé avec elle va grave vous surprendre. Je vais vous inviter à réagir après avoir écouté ça. Écoutons. Vous savez, moi que vous voyez là, j'étais en Tunisie. Et j'ai fait la connaissance d'un mec qui était en France ici. Qui se déplaçait, qui venait me voir en Tunisie. Donc c'est dans ça. Moi, il y avait ma soeur, ma camarade, ma meilleure amie, ma grande soeur, mon tout, à qui je me confiais, je donnais tous mes intestins. Elle était en France ici. Donc, c'est dans ça, moi et mon mère, qu'on a fait un petit discours. Donc, ma grande soeur a dit, ah, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Puisqu'il m'avait bloqué, on avait fait un petit discours, il m'avait bloqué. Donc, ma grande soeur a dit, donne-moi son numéro, je vais l'appeler, je vais régler le problème. Et je lui ai donné le numéro de mon chéri. Maman, où je vous parle là, ils sont mariés. Wow. Où je vous parle là, ils sont mariés. Elle a gâté tête du gars. Vous avez compris? Donc j'ai vécu ça aussi. Voilà. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Je vous laisse écouter encore. Vous savez, moi que vous voyez là, j'étais en Tunisie. Et j'ai fait la connaissance d'un mec qui était en France ici. Qui se déplaçait. Qui venait me voir en Tunisie. Donc c'est dans ça. Moi, il y avait ma soeur, ma camarade, ma meilleure amie, ma grande soeur, mon tout, à qui je me confiais, je donnais tous mes intestins. Elle était en France ici. Donc c'est dans ça, moi et mon mère, qu'on a fait un petit discours. Donc ma grande soeur a dit, ah, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Puisqu'il m'avait bloqué, on avait fait un petit discours, il m'avait bloqué. Donc ma grande soeur a dit, donne-moi son numéro, je vais l'appeler, je vais régler le problème. Et je lui ai donné le numéro de mon chéri. Maman, où je vous parle là, ils sont mariés. Où je vous parle là, ils sont mariés. Elle a gâté tête du gars. Vous avez compris? Donc j'ai vécu ça aussi. Voilà. Wow. Écoutez encore une dernière fois et je vais vous dire ce que je pense. Vous savez, moi que vous voyez là, j'étais en Tunisie. Et j'ai fait la connaissance d'un mec qui était en France ici, qui se déplaçait, qui venait me voir en Tunisie. Donc c'est dans ça, moi il y avait ma soeur, ma camarade, ma meilleure amie, ma grande soeur, mon tout, à qui je me confiais, je donnais tous mes intestins. Elle était en France ici. Donc c'est dans ça, moi et mon mère, qu'on a fait un petit discours. Donc ma grande soeur a dit, ah, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Puisqu'il m'avait bloqué, on avait fait un petit discours, il m'avait bloqué. Donc ma grande soeur a dit, donne-moi son numéro, je vais l'appeler, je vais régler le problème. Et je lui ai donné le numéro de mon chéri. Maman, où je vous parle là, ils sont mariés. Où je vous parle là, ils sont mariés. Elle a gâté tête du gars. Vous avez compris? Donc j'ai vécu ça aussi. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Je vous ai laissé écouter ça 3 fois. Que voulez-vous que j'ajoute à ce qu'elle a dit? Waouh! On ne peut plus faire confiance en personne. On ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Dans la Bible, il a été écrit: malheur à quiconque se confie dans l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi tu invites quelqu'un pour venir régler un problème de foyer ou bien un problème que tu as avec ton cas, ha! Faut bien t'asseoir parce que tu risques d'avoir des problèmes. C'est un truc hors du commun, mais les réalités sont là. Mais les réalités sont là. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Aujourd'hui, tout est mélangé. Il y a la tentation partout, il y a le séducteur partout, il y a le diable partout. Même votre meilleur camarade peut être le diable. Là où vous
Manger. C'est là où d'autres personnes vont venir mettre du sable. Si vous ne savez pas ce que signifie, ne faites confiance en personne. Hein. Je pense que aujourd'hui, cette vidéo-là va clairement vous aider. N'attendez pas à ce que ça vous arrive avant de croire. Croyez sans avoir vu. Les Thomas là, c'est à vous que je parle. Croyez sans avoir vu. En tout cas, la trahison. La trahison de nos jours, vraiment, c'est hors du commun. Maintenant, dites-moi les frères et sœurs, est-ce que Dieu va bénir le mariage que sa camarade a eu avec son gars? Question. Est-ce que Dieu va bénir cette union? Parce que elle a gros sur le cœur. Elle a quand même gros sur le cœur. Si vous êtes dans une telle situation, pardonnez. Ma chérie, toi et ton homme, allez-y demander pardon à la fille là. Si vous n'avez pas encore fait, c'est pas bon, hein. Allez demander pardon à cette fille. Parce que peu importe la prière que vous allez faire à Dieu pour lui demander pardon, pour quoi que ce soit, ça ne va pas marcher tant que vous n'êtes pas allé demander pardon à cette fille à qui vous avez causé du tort, à qui vous avez fait du mal, je vous l'assure. Eh bien, je vous parle de quelque chose, je vous parle de quelque chose. C'est vrai. Elle a cru sur le cœur au point où elle vient sur les réseaux sociaux pour en parler. Elle vient parler de ça. Moi, vraiment, j'ai fait aussi beaucoup de choses dans le passé. Dieu merci, j'ai pu demander pardon aux gens à qui j'ai fait du tort. Je l'ai fait. Quand je suis devenu chrétien, quand j'ai décidé de changer ma vie, j'ai demandé pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. Oui, il y avait un ami à qui j'ai arraché la femme qu'il aimait bien. Je me suis excusé, je me suis séparé d'elle. J'ai dû faire le sacrifice de me séparer d'elle. Juste pour que tout rentre dans l'ordre, parce que ce n'est pas bien. Un ami se confie à toi, il t'envoie sur un terrain. Et puis toi, tu voles la femme qu'il aime. Non, j'ai refusé. Ma foi, ça, je vous assure que j'ai refusé. J'ai refusé ça. À la place de la camarade à cette fille, qu'aurez-vous fait? Qu'aurez-vous fait? Maintenant, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute à elle, sa camarade, ou bien à l'homme? J'aimerais que vous me donnez votre avis en commentaire. Si ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, chère bonne. C'est notre première vidéo. Il y a une autre vidéo qui va suivre. Restez connectés. C'est parti.